Bienvenue au Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Et si j'ouvrais la porte est le thème qui vous est proposé pour prier et méditer avec Marie. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François pour 2016, on a confié à des hommes et à des femmes le soin de bâtir des conférences spirituelles qui nous aideront à ouvrir la porte au pardon, au bonheur, à l'audace, à l'accueil et à la joie. Aujourd'hui, nous recevons comme prédicateur le Père Pierre-Olivier Tremblay, oblat de Marie Immaculée. Il est aussi le recteur de ce sanctuaire. Dans sa prédication, le Père Pierre-Olivier nous invitera à franchir les seuils, à vivre des conversions. Il nous rappellera que pour accueillir du neuf, il faut faire de la place. Par ailleurs, notez qu'il y a procession au flambeau tous les soirs après 20 heures dans les jardins du sanctuaire. Notez également que les soirées festives se dérouleront sur la grande scène extérieure devant la basilique à compter de ce soir. Du 11 au 15 août, dès 19 h, c'est en effet sur cette scène que prédication, eucharistie et concerts se succéderont. Cette 10e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place avec nous goûter ces beaux moments d'intériorité et de festivité. Bonne prédication et bon festival! Et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Ici, j'ouvrais la porte. Cette belle question qui nous est redite jour après jour est une vraie invitation de Dieu pour chacun de nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous redit « Qui perd, gagne. » Si on laisse des choses pour lui, on trouve toujours infiniment plus. En commençant notre célébration, on va demander au Seigneur qui nous aide à ouvrir nos cœurs pour vivre cette expérience aujourd'hui. Et je souhaiterais que cette célébration, nous puissions vraiment entrer dans une démarche profonde avec Jésus. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie pour partager notre condition humaine, prends pitié de nous. Ô Christ, en qui est rendue visible la miséricorde de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur Dieu, dont la miséricorde s'étend d'âge en âge, prends pitié de nous. Dieu d'amour tout-puissant, fais-nous miséricorde, pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Prions. Dieu de bonté et de miséricorde, ouvre nos yeux et nos cœurs à ta parole et aux cris de ton peuple. Renouvelle en nous ton esprit pour nous rendre libres et unis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, nous restons debout et nous acclamons l'Évangile. Allez. Recevront au centuple en cette vie et dans le monde à venir la vie éternelle. Alléluia! 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Pierre-Olivier
Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Qui perd gagne. Un proverbe que nous connaissons, qui perd gagne. Il y a même une émission de télévision qui portait ce titre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons à perdre? Qu'est-ce que nous avons à gagner? Je crois que dans chacune de nos vies, il y a ces deux dimensions. Il nous arrive de perdre, il nous arrive de gagner. L'Évangile d'aujourd'hui est un Évangile pour nous. Et Jésus parle à Saint-Pierre et aux disciples, mais il le parle aussi à nous. Et c'est une histoire ancienne, et c'est une histoire actuelle. Pas toujours facile d'être croyant. J'aimerais ça qu'on écoute avec beaucoup d'ouverture, de bienveillance, un témoignage d'une amie à moi, Katia Molineau, qui va nous partager simplement ce qu'a été pour elle la découverte de Dieu dans sa vie et qu'est-ce que ça lui a amené comme changement. Bonjour. Je suis de la région d'Ottawa-Gatineau. Est-ce qu'il y a des gens d'Ottawa-Gatineau dans l'Assemblée? Oh, quelques-uns. Alors, je me présente, je m'appelle Katia, je suis mariée, mon mari est juste là, j'ai 48 ans, puis j'ai une grande fille de 16 ans qui n'a pas voulu venir écouter sa maman aujourd'hui. Alors, je travaille dans un milieu hospitalier, je travaille à l'Hôpital général d'Ottawa depuis maintenant 21 ans. Je suis très impliquée dans ma paroisse, qui est la paroisse de Sacré-Cœur d'Ottawa. Une paroisse oblate, c'est la plus belle communauté chrétienne d'Ottawa, certainement. Et puis, je suis aussi impliquée dans ma communauté, dans mon milieu de travail. J'ai vécu une conversion, il y a de ça maintenant 15 ans, qui a eu un grand impact dans ma vie, surtout au niveau personnel et communautaire, je dirais. J'ai une vie simple, je dirais une vie rangée. Mais cette conversion-là m'a apporté certains changements. J'ai développé une passion pour la théologie. Je suis maintenant inscrite à la maîtrise en théologie que je fais à temps très partiel. J'ai vraiment espoir de graduer dans mes 70 ans peut-être. Je suis de plus en plus impliquée dans ma communauté chrétienne. J'adore mon travail. Je commence à être bonne. Après 21 ans, là, ça se passe bien. Alors, si j'arrêtais ici, ça pourrait être pas pire. C'est ma vie. Mais ça finit pas là. J'ai senti un appel de changer des choses dans ma vie, de changer des choses, poursuivre mon cheminement spirituel. J'avais le goût d'allier ma foi et puis ma profession. Je ne savais pas exactement comment. Ça me fait penser un peu à Abraham, quand Dieu lui dit, « Allez, tu laisses tout, puis va où je vais te montrer. » Alors, on pack tes petits, puis on s'en va. J'ai découvert un programme de formation à l'hôpital où je travaille
pour devenir aumônière en milieu hospitalier. Alors, c'est un programme qui est très contingenté. Alors, je me suis dit, OK, bon, bien, j'envoie ma demande d'admission, je passe l'entrevue, puis on verra. Et puis, à ma grande surprise, j'ai été acceptée. Alors, c'était la prochaine étape. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'embarque? Comment je prends cette décision-là? Alors, j'ai décidé de me donner un temps pour discerner, pour voir si c'était vraiment pour moi. Alors, je suis partie de Gatineau, puis je suis venue ici, au Cap, passer 5 jours en retraite pour réfléchir, pour prier, pour voir si mon projet, c'était juste mon projet, ou bien si Dieu en faisait partie aussi. Puis j'avais le goût de réfléchir aussi à cette décision-là plus. Alors, si on y pense juste comme ça, c'est pas une décision très rationnelle. Ça va un peu contre les valeurs de la société. Alors, je suis dans mon emploi depuis 21 ans. Dans 10-15 ans, je peux prendre ma retraite. J'ai des vacances d'accumuler, un fonds de pension, j'ai mes bénéfices. C'est-tu vraiment ça que je veux faire? Puis, Dieu ne me demande pas de faire ça. Je vois ça comme une invitation. Il me propose. Qu'est-ce que je choisis de faire ça, avec ça? Je suis libre, je ne suis pas obligée. Mais en même temps, je sentais un appel au dépassement. Puis, j'avais le goût de donner, de partager cette fois-là que j'ai reçu d'autres, des gens extraordinaires qui ont fait partie de ma vie. Puis, je tenais vraiment à établir un lien entre ma foi et mon travail. Alors, ces décisions-là, ça implique des sacrifices au niveau personnel, au niveau de mon énergie, mes finances. Ça implique aussi des sacrifices pour ma famille. C'est un projet que j'aurais pu faire. Ça aurait été impossible sans mon mari. Je pense que si Sarah avait dit à Abraham, on part pas, je ne sais pas s'il serait parti. Ils ont dû se jaser, ces deux-là, à un moment donné. On n'en parle pas dans l'Ancien Testament. Alors, après mes 5 jours de réflexion, de prière, ici au Cap, j'ai décidé de m'embarquer. Alors, je vais commencer ma formation en septembre. Comment je vis ça? J'aimerais vous dire, oh, c'est super, j'ai pas peur, puis non, j'ai la trouille, c'est nouveau. Mais en même temps, je suis tellement excitée, je vais apprendre des choses. Ça suit mes valeurs, ça suit qui je suis comme personne, comme croyante. Alors, je me suis mis à réfléchir, c'est quoi vraiment pour moi être croyante? Je pense que c'est accepter de s'ouvrir au changement, apprendre à reconnaître les appels au dépassement. Ce sont des appels, ce ne sont pas des obligations. Le changement, c'est vrai, c'est difficile. C'est sortir du confort, de la routine, aller vers l'inconnu. Mais c'est aussi se donner la possibilité de grandir puis d'aller au-delà de soi. C'est ce que Dieu nous donne. Il nous donne la possibilité de réaliser notre plein potentiel. Alors, qui perd, gagne? Oui, c'est vrai. Je prends une chance. Il n'y a pas de garantie. Je pense que Dieu fait partie de mon projet, mais ça ne veut pas dire que tout va bien aller, je le sais. Mais j'ai tellement à gagner. Alors, gardez-moi dans vos prières en septembre. Merci. Merci, Katia.
Vous le voyez, Dieu appelle depuis longtemps. C'est vrai dans la Bible, c'est vrai aujourd'hui. Ce qui est surprenant, lorsqu'on écoute l'Évangile qu'on vient d'entendre, le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est qu'il est souvent question d'avoir à quitter des choses. Abraham, dont nous venons d'entendre parler, a eu à quitter sa maison, son pays. Matthieu, l'apôtre Matthieu, a eu à quitter son emploi. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée a quitté sa ferme. Et Nathanaël, l'apôtre, a quitté sa retraite. Maison, pays, emploi, ferme, retraite, ça fait beaucoup. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus invite les apôtres à quitter famille, maison et terre. Dans une société agricole, là, ça représente tout. On voit que Pierre est un peu préoccupé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de te suivre, Jésus? Puis moi, je suis sûr qu'il y a une question qui monte dans notre cœur à chacun de nous en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il faudrait quitter des choses pour être disciple? Est-ce qu'on ne pourrait pas être des disciples confortables dans notre fauteuil? Hein? Il me semble qu'on aimerait ça. On pourrait être des disciples, moi, ce serait mon genre, là, un disciple de sofa. Okay? Non, ça ne marche pas comme ça. Mais s'il faut quitter, est-ce que c'est parce que les choses qu'on doit laisser sont mauvaises? Non, pas du tout. Si Jésus nous invite à quitter, ce n'est pas parce que ce monde est mauvais, c'est parce que ce n'est pas suffisant. On est invité, Jésus nous invite à vivre plus, à vivre plus grand. Bien trop souvent, c'est notre cœur qui est trop plein, rempli, saturé. Jésus, en nous invitant à quitter, veut nous aider à faire de l'espace. Créer de l'espace pour Dieu, pour les autres. Je pense aussi que trop souvent, notre cœur, notre vision est trop petite. On se contente de peu, d'un minimum. Alors que Jésus veut nous inviter à regarder l'horizon du monde. Bien sûr, notre famille, c'est important, nos proches, je dirais notre clan. Mais Jésus veut nous ouvrir à une famille encore plus grande, une famille universelle. Je pense aussi que Jésus, s'il nous invite à quitter, c'est parce que notre cœur est peut-être trop fusionnel. On aime notre monde, mais peut-être qu'on en perd même notre liberté intérieure. Jésus veut qu'on aime, mais avec un cœur libre. Quitter, c'est apprendre à prendre une distance parfois, mais pour mieux aimer d'une manière nouvelle. Alors oui, bien sûr, suivre Jésus, il y a une part d'un départ, il y a quelque chose qu'on doit laisser. Mais ce que l'Évangile nous dit aujourd'hui, c'est qu'on laisse pour quelque chose, pour quelqu'un. Regardons maintenant cette présentation de Cap Jeunesse pour voir qu'est-ce qu'on peut y trouver. François est un grand missionnaire, plein d'amour envers les autres. Il est heureux, mais il sait qu'il lui manque quelque chose.
Le changement procure parfois un déséquilibre émotionnel, mais nous fait grandir. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront nommés filles et fils de Dieu. Qui perd quelque chose gagne autre chose, mais en mieux. François, en quittant sa femme pour aider les autres pendant quelques mois, il gagne un amour plus fort envers celle-ci et développe de belles amitiés. Quand on perd, on gagne. Merci, Jacob Jeunesse. Vous le voyez, parfois ça va bien dans la vie, mais on est invité à plus. Et chaque fois qu'on laisse, on va redécouvrir plus grand encore. Si Jésus nous invite à quitter ce qui est bon, c'est pas pour qu'on renonce à la vie, c'est pas par esprit de sacrifice, c'est surtout pas parce que Jésus voudrait pas qu'on soit heureux, pas du tout. Le renoncement que Jésus nous invite à faire, c'est jamais contre quelque chose. C'est toujours pour quelqu'un, pour une cause. Ce que Jésus nous dit, c'est qu'on est invité à renoncer pour lui et pour l'Évangile. C'est, je pense, le point le plus important de cet Évangile aujourd'hui. J'aurais le goût de vous proposer un petit exercice spirituel. On prend une bonne respiration, tout le monde. Allez-y. On peut se fermer les yeux aussi. Fermons-nous les yeux. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie, au fond de mon cœur, que je sens que je devrais laisser? Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui prend trop de place en moi ou à quoi je suis trop attaché? Même jusqu'à perdre ma liberté intérieure. Prenons le temps d'y réfléchir un instant
avec cette musique. Encore les yeux fermés. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un échange avec Jésus. On va laisser des choses pour en gagner. On va laisser nos sécurités, nos habitudes, peut-être nos chaînes, nos boulets, pour plutôt choisir Jésus et la bonne nouvelle. Pas toujours facile, je sais. Ça nous invite aller vers une région qu'on ne connaît pas toujours. On s'imagine en train de traverser une porte de miséricorde. On va laisser derrière nous ce qu'on a amené ici aujourd'hui qui nous pèse. On va ouvrir notre cœur pour accueillir Jésus. Je vais vous inviter à répéter après moi. Je le laisse, Seigneur. Tout ce qui prend trop de place dans ma vie, je le laisse, Seigneur. Je le laisse, Seigneur. Tout ce qui m'a blessé, heurté ou fait du mal, je le laisse, Seigneur. Je le laisse, Seigneur. Tout ce qui m'empêche de prendre mon envol, me garde dans la peur, je le laisse, Seigneur. Tout ce qui me fait perdre ma liberté, je le laisse, Seigneur. Vous répéterez maintenant après moi, je veux te suivre, Seigneur. Pour être ton ami, ton disciple, je veux te suivre, Seigneur. Pour m'engager à vivre l'Évangile, je veux te suivre, Seigneur. Pour travailler à ton royaume, je veux te suivre, Seigneur. Alors, je vous invite à ouvrir vos cœurs, vraiment. Et je vous invite maintenant à ouvrir vos yeux. Restons unis à Jésus. Que jamais nous ne soyons séparés de lui. Dans votre recueil de chants au numéro 93, 9-3. Fils de Marie, et mon sauveur, mon espérance, que jamais je ne sois séparé de toi. Moi qui ai dit, je te suivrai, Seigneur. Je te suivrai où tu iras. Fils de Marie et mon sauveur, mon espérance, que
jamais je ne sois séparé de toi. Moi qui ai peur de tout quitter, de tout quitter enfin pour toi. Ensemble, fils de Marie et mon sauveur, mon c'est une démarche intérieure importante. Ceux qui voudront aller plus loin et même traverser la porte de la miséricorde, je vous invite à le faire durant cette journée ou ce pèlerinage. Ce qui est impressionnant avec Jésus, ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne se laissera jamais vaincre en générosité. Déjà, imaginez, tout laisser pour Jésus, on ne perd jamais. Parce que quand on trouve Jésus, on a tout. Quand tu as Jésus, tu as tout. Mais Jésus, il nous offre encore. Il nous offre encore. Il est extraordinairement généreux. Pour tous ceux qui vont le suivre, Jésus nous dit trois choses. Il nous offre trois choses. Le centuple, des persécutions et la vie éternelle. Le centuple, vous remarquerez que toutes les choses que les apôtres ont laissées, ils les retrouvent à leur tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien de notre vie ne sera perdu. Toutes les personnes qui nous sont chères, tout ce que nous donnons à Jésus va nous revenir transformé par sa grâce. Je vous le dis, Jésus n'enlève rien. Il multiplie et redonne tout. Laisser sa famille, comme le personnage dans le sketch, c'est découvrir une famille universelle, une famille dans la foi. Jésus nous fait entrer dans la famille de son Père. Il nous fait découvrir des frères et sœurs partout. Il nous donne même sa propre mère dans un sanctuaire qui lui est dédié. Pourquoi ne l'accueillerions-nous pas? Oui, Jésus va nous donner au centuple, aucun doute. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus est très réaliste. Il dit quand même à ses apôtres que ceux qui le suivront auront des persécutions. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais il veut dire que tout ne sera pas toujours facile. On va avoir des efforts à faire. Jésus ne porte pas des lunettes roses. Le suivre, vraiment embarquer à sa suite, ça prend des efforts. Il est possible que des gens, des proches, de nos amis ne nous comprennent pas. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Jésus. Ne nous décourageons pas. Quelle que soit la difficulté, l'épreuve, Jésus nous assure qu'il sera toujours avec nous. Troisième chose que Jésus promet, il promet la vie éternelle. À notre époque où on se préoccupe surtout du moment présent, on est toujours à la course, peut-être qu'on pourrait mettre de côté cette promesse de Jésus. Mais en fait, c'est une promesse extrêmement généreuse. Jésus nous dit qu'avec lui, à sa suite, nous aurons un horizon d'éternité. La mort n'aura jamais le dernier mot. Aucune épreuve, aucune difficulté, aucune violence, aucune injustice
ne durera toujours. Il me semble que c'est encourageant, ça. Jésus nous dit que c'est la vie, que c'est le bonheur, c'est la justice, c'est la paix qui ne finiront jamais. Qui perd, gagne. Aujourd'hui, en cette fête de Marie, en ce festival que nous préparons, que nous vivons, en cette année de miséricorde, et si j'ouvrais mon cœur, si j'acceptais, malgré mes peurs, malgré mes hésitations, comme l'apôtre Pierre, si j'acceptais de faire confiance en Jésus, d'accueillir son amour, voulez-vous le faire? Franchement, là, hein? On peut... OK, voulez-vous le faire? Moi aussi. Puis moi, je voudrais vous dire ceci, que tout ce que j'ai perdu pour Jésus, je le gagne d'une manière nouvelle. Puis comme croyant, je veux vous le dire, je vous l'affirme, avec Jésus, qui perd, gagne. Amen. Amen. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui. Imprévu de Dieu, et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, ensemble, marche avec nous.